malgré que ce soit un billard, à mon avis, les chevaux vont bien s'enfoncer. On a eu quelques pluies durant la nuit, donc on va s'attendre à un terrain encore plus souple qu'hier. Peut-être voir en fin de réunion collant. Aujourd'hui, ça risque d'être une course très sélective, un petit peu une course à l'anglaise. Malheureusement, on n'a jamais pu battre Enable. On espère prendre une revanche, pourquoi pas aujourd'hui. Non, pas la pression. Je sais, je monte un cheval en quoi je suis confiant de faire l'arrivée et j'attends juste à monter dessus sur lui et courir. Elle est prête, elle sait que la course arrive, elle entend le fou, elle voit le public qui le regarde. Le jockey aussi, il se prépare. Mais son boulot en tant qu'entraîneur, c'est de rester calme à cet instant. Que se passe-t-il, oui. Ouais, l'enfant qui a mis pied à terre, mais il est remonté tout de suite. J'ai eu peur, il se passe quelques secondes. Deux à rentrer. Oui. Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course du monde, une édition 2019 qui s'annonce fantastique avec Enable qui est en quête d'un triplé, inédit. La championne de Lanfranco d'Ettori, grande favorite de la course, qui a pris un bon départ, qui est pour le moment en 4-5e position. La fausse ligne droite avec Gaillat qui a toujours le meilleur. Magical librement qui est deuxième, qui est suivi par Enable, toujours marqué par Sotsas, avec Van Guest qui de son côté marque l'effort de Sotsas. La ligne d'arrivée avec Gaillat qui est déjà sollicité. Magical librement d'elle-même, quel avantage dans son sillage, la grande championne Enable, l'enfant Cody Tori qui n'a toujours pas bougé, Sotsas qui est lancé maintenant à l'extérieur et puis Japan qui s'annonce à son tour, Enable qui prend l'avantage, Sotsas qui vient maintenant l'attaquer avec Japan qui lutte également pour la victoire, Enable peut-être en route pour le triplé, mais Sotsas est là, les trois hommes de long qui s'en sort, qui sont là, mais Enable qui a toujours l'avantage, elle est seule en tête, Enable elle a le meilleur, Van Guest qui se lance maintenant à sa poursuite, Enable côté corde, Van Guest à l'extérieur, Enable Van Guest, est-ce que Van Guest va enfin battre Enable? Oui, c'est Van Guest qui s'impose. Enable, merci champion, est deuxième. Sotsas, troisième. Et la quatrième place pour Japan. Van Guest, incroyable. Pierre-Charles Boudot qui remporte ici l'Arc de Triomphe. Son premier arc pour Pierre-Charles Boudot cet après-midi. Debout sur les étriers PC. Et c'est formidable ce que réalise cet après-midi Van Guest. C'est l'entraînement d'André Favre, Monsieur Favre qui renoue avec la victoire dans l'arc. Il s'impose ici pour une énième fois, pour la huitième fois précisément pour André Favre. Il bat Enable, la championne, il n'y a rien à reprocher à Enable qui a été remarquable et qui se place deuxième. Quelle phase finale Thierry, on a vécu un grand, très grand moment de sport. Franchement je réalise pas mais je suis vraiment super heureux. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe c'est juste ouf. Et gagner avec ce cheval, c'est le cheval de ma vie, je l'avais dit. Et vraiment aujourd'hui, il a montré un grand cœur et voilà, on respecte beaucoup Enable, mais malheureusement aujourd'hui elle est tombée sur plus forte. Et vraiment, c'est un moment de fou. Je peux mourir tranquille maintenant. Allez, on va raccompagner Pierre-Charles. Comme
comme le père de Neighbours, c'est Nathaniel qui est leur propre étalon à Newsense Park Stud. Il a un petit pansement qu'il a battu la grande championne de Neighbours qui est par Nathaniel. Il a dit que même sa mère lui a dit ce matin qu'elle va crier pour Neighbours et pas pour Val de Geist, mais il a dit que peut-être elle a changé son avis maintenant. Il dit qu'il est triste d'avoir battu une telle grande championne qu'on n'a pas vu l'histoire écrite aujourd'hui. Klaus Jacobs était le propriétaire de Newsense Park Stud. Il est mort il y a 10 ans. Il a dit que la grand-mère de Val de Geist était la jument préférée de Klaus Jacobs. Donc pour eux, c'est une grande histoire qui date depuis des générations de cette famille. Val de Geist, il a dit que c'est vraiment un grand moment pour eux, pour Klaus Jacobs. Et il aura rêvé que le propriétaire, il sera là. We miss him very much. And Andreas, it's been great, but this is a great day. It means a lot to us.